Bonjour à tous, je vous fixe rendez-vous aujourd'hui à Libramont. Alors pour une fois, je ne vais pas chez Infrabel, mais je vais chez un fournisseur d'Infrabel à qui nous venons d'acheter des machines particulièrement innovantes que je suis très fier et très heureux de vous présenter aujourd'hui. Kurt, we kunnen hier twee nieuwe apparaten zien van Infrabel, die Infrabel heeft aangekocht. Wat zijn de twee nieuwe apparaten hier? Dus vroeger hadden we 6 mensen nodig om die reis te kunnen laden. Vandaag kunnen we dat doen dankzij deze machine met 2 mensen. En de tweede machine? De tweede machine is een automatische kipbakwagen die toelaat om tot 25 ton granulaten op een heel korte tijd van minder dan 1 minuut te storten in het spoor. Dankjewel, Kurt. Alors vous reconnaissez sans doute Alain Failly qui est un des acteurs d'Infrabel derrière ce projet. Alors Alain, c'était un grand défi quand même ce projet parce que c'est la première fois qu'on accordait autant d'importance à l'innovation. Tout à fait. Dans le cahier de charge, il y avait pas mal de points. Donc il y avait le prix bien sûr, mais beaucoup de points sur l'innovation. Par exemple, dans l'engin qui est ici, les gens ne doivent plus monter sur le wagon, il n'y a plus de ligature des rails, c'est magnétique. C'était une innovation, ça n'existe nulle part. Et donc c'est la première fois qu'on fait donc un projet aussi innovant, je dirais. Est-ce que vous avez encore d'autres idées en tête? Vous allez encore le faire pour d'autres projets? J'ai peut-être un petit truc derrière la tête, mais pour le moment c'est encore un peu léger. Ouais, on sait qu'on peut compter sur toi quand tu as un petit truc derrière la tête. On sait que dans quelques années, on va en voir le résultat. Tout à fait. Merci et beaucoup voilà. En tout cas, Alain. À très bientôt. Prie. Merci. Infrabel contribue à la mobilité d'aujourd'hui et de demain, mais Infrabel fait beaucoup d'autres choses. Infrabel innove et Infrabel stimule également l'économie à travers les marchés qu'elle passe. Ici, c'est 2 PME de chez nous qui ont gagné un marché auprès d'Infrabel en battant tous leurs concurrents européens. Et je pense que nous pouvons en être très fiers de ce rôle d'Infrabel de stimulation de l'économie et du succès de nos PME qui ensuite pourront exporter leurs produits sur base des marchés Infrabel. À très bientôt.